et propre. Quand même incroyable tout ça. Regardez-moi tout ça, c'est splendide. Incroyable de voir ça ici. Yo 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 la compagnie, comment on va aujourd'hui? On se retrouve après une longue absence dans un joli petit spot. C'est parti! Regardez-moi tout ça, c'est splendide. C'est magnifique. Vraiment bien old school. Une petite pépite, comme on dit dans le milieu. Énormément d'objets. Bien old school. C'est un truc de ouf. Superbe. Beau frigo à l'ancienne, superbe, magnifique, l'entrée aussi hein, sympathique, fait bien old school, l'ami TV Liberté, Eric Bertin ici présent, représente. Elle est sympa l'ambiance. Hein? Elle est sympa l'ambiance. Et tu sais, là c'est vachement beau, ça n'est plus tout le. Ah, j'aime bien ça là. La petite remorque avec le tonneau là. Là. Tu vas voir à l'intérieur. Content de vous retrouver après 2 mois vraiment galère et intense où ça a été compliqué pour moi. Il m'est arrivé pas mal de choses. Je suis content de vous retrouver, j'espère que c'est réciproque. Et voici la salle à manger qui est magnifique. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Vous savez comment ça marche, c'est comme ça que l'on peut prospérer, pardon. Et regardez-moi ce bar et vous proposer des choses toujours plus folles. Ah, ce rendez-vous, ce petit bar. Tout est propre. Tout est propre. Bon vieux vinyle des années 70 de musique de villageois. Ah, c'est dommage, je n'ai pas la date là. Yeah. Quand même incroyable tout ça. C'est lui abandonné. On se retrouve à la frontière belge-luxembourgeoise pour ce petit spot. Beau vieux combo des années 70, encore avec le vinyle dessus. Superbe. Carte de Florence. Je fourneau. Oh, la cuisine avec du vintage incroyable. Encore tout ce qu'il faut en vaisselle. Incroyable. Ce spot est fou. Salon.
Salon. Continue, on va monter ce bel escalier. Pas mal de petits objets ici. Ah, ça me rappelle mon enfance ces trucs là. C'est incroyable. Incroyable de voir ça ici. Jésus dans une grange. Du matériel pour travailler. Ça va être une ancienne ferme réhabilitée en café. Il y avait toujours une activité dans ces locaux commerciales. Ouais. Producteur, c'est un spot multifonction, c'est vraiment incroyable. Jolie petite boîte là. Vraiment incroyable. Une luge, j'en avais comme ça quand j'étais gamin. Bon outil de barbare, petite pharmacie là. Beaucoup d'outillage de ferraille. Les ferrailleurs seraient contents ici. Ah oui, tu as accès à l'autre côté. D'accord. Je vais y passer devant. Bonjour, monsieur Grand Est. Ça va? Comment allez-vous? Ça va. Et toi, Tino? Ça va, ça va. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est clair, ça fait plaisir. Abonnez-vous. C'est clair. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it.
Quelle ambiance folle dans ce spot. Incroyable. J'espère que cette petite visite vous a plu. En attendant, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos. On se retrouve bientôt, je l'espère. En ce moment, c'est un peu compliqué, mais normalement, si tout se passe bien, ça devrait s'arranger. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Et je vous fais des bisous. Big up la compagnie. Peace. Never got anyone's help. I had to do it all myself.